Direction Sikasso, où a été lancé le projet Zone économique spéciale Sikobo. En marge de la cérémonie, les chefs de gouvernement du Mali, la Côte d'Ivoire et du Burkina ont inauguré une centrale électrique. La réalisation s'inscrit dans un programme interzone de transport d'énergie entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les détails avec Urbain Benito Somé et Moumouni Soubeïga. Le premier ministre Paul Kabatiba du Burkina et ses pairs du Mali et de la Côte d'Ivoire mettent en route la centrale d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire et du Mali. L'inauguration de cette centrale de 225 kVC dans le cadre du sous-programme interzone de transport d'énergie Burkina et Mali via Ghana et d'autres capitales de la sous-région. Le Burkina Faso également concerné par cette centrale que nous avons vue, puisque à terme, nous sommes en train de faire, vous le savez, l'interconnexion avec le Ghana par Bolgatenga. Il y a un nœud que nous avons construit à Bolgatenga pour pouvoir recevoir donc l'électricité donc, du Ghana. Une fois que ce nœud sera fonctionnel, le Burkina va recevoir de l'électricité donc, du Ghana, pourra donc réacheminer donc, les excédents jusqu'au Mali via le centre que nous avons visité cet après-midi. Cette infrastructure va contribuer dans la mise en œuvre du projet Zone économique spéciale que le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire viennent de lancer à Sikasso. Un projet que les opérateurs économiques de la localité attendent avec beaucoup d'impatience. Nous pensons que nous, en tant que chambre de commerce, nous avons un rôle extrêmement important à jouer. Nous avons des atouts parce que le Burkina est en avance dans le cadre de la construction de cette zone intégrée. Nous avons déjà, nous, un port sec. Construit donc sur 20 hectares avec des possibilités d'extension qui sont en cours de 20 ou 3 hectares. Donc nous aurons 40 hectares de zones aménagées au niveau du port sec de Bojulasso avec toutes les commodités d'un transport multimodal, je veux dire la route, le chemin de fer et l'avion également à Bojulasso. Nous sommes un peu en avance sur les autres. Et je crois que c'est un avantage compétitif. Avant l'inauguration de la centrale, Soumeilou Boubeïmaïga, Amadon Koulibaly et Paul Kabatiba ont visité les monuments de Tieba et de Baba Traoré, des rois qui ont dirigé dans les années 1800 le royaume de Kénédou, qui s'étendait de Sikasso à Korogo, en passant par Bobo Dioulasso. Le roi actuel de Sikasso a également reçu une visite de courtoisie des trois chevaliers.